grosso modo, on peut dire que le fariq تاعنا on peut être content du rendement يعني فريق الاداء يعني كان جميل والنتيجه كانت يعني logique parce que عندنا يعني beaucoup de changements, on peut faire beaucoup de changements, on a imposé un bon rythme et j'espère qu'on continuera comme ça en s'améliorant jusqu'à la fin de saison inchallah. C'est notre deuxième victoire, c'est un plaisir pour nous. On a un match déjà, on a déjà gagné, c'est notre deuxième victoire. Bon, mais c'est une longue saison, inchallah, et j'espère qu'avec cette équipe, on ira loin. Une bonne concentration. Début de championnat, on s'y met de cas, parce que chaque match, on doit s'améliorer. Donc, alhamdoulilah, on a appliqué les consignes des entraîneurs. Alhamdoulilah, normalement, ça va être, ça va s'améliorer de petit à petit. On a fait le muqabla, les montées de balles. On attaque placée, le gars a fait beaucoup. الفريق تاعنا صير كان متحضر مي كانوا نقائص بزاف من ان عندنا زوج لعبات مازالوا ما تاهلوش لي تونيزيان فوالا سما نستناو ان شاء الله التاهل تاعهم اللي راح يعاون كبير باسكو يعاون 70% من الفريق دوماج باسكو ما كانوش حاضرين اليوم الفريق الابيار وفريق تاعنا تاع ميلا سيتي لو مونك ديكسبيريونس مي سكي تي بيان حنا اون با بيسي لي برا. On a travaillé pendant 60 minutes, on a talé un haptin. Ils nous ont battus sur le plan physique un peu parce qu'on manque d'effectifs. C'était ça. Mais je félicite Fariq El Abiyar parce que quand même, on n'oublie pas, c'est Fariq Andoul Khibra.